360, Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. Jean-Mathieu, on a voulu te voir un peu avant. Après les qualifs, il y avait un petit problème technique sur les voitures. Vous avez été obligé de corriger le problème technique. Mais la course s'est pas déroulée comme ni toi ni ton frère vouliez. Ah, c'est sûr qu'avec le problème technique, on n'a pas réussi à partir dans la position où on était supposé. Fait que partir en arrière, c'est difficile. Puis quand un gars en avant de toi te ralentit toujours, c'est dur d'aller en avant en partant en arrière. Mais ça, ce sont des voitures relativement neuves. Il y a encore des petits détails à repasser dessus? Non, on est quand même pas mal sur la coche. On a beaucoup d'aide de bonnes personnes là, chez Trailleur. Là. Puis là, mon frère a essayé mon Trailleur à soir parce que lui, il a des problèmes moteurs avec son Bignell. Puis je pense qu'il va vendre le Bignell. D'après moi, ça ressemble à Trailleur. Là. On va sûrement acheter un autre Trailleur pour avoir toujours un spare backup de char. Puis il l'a vraiment adoré, mais en même temps, c'est sûr que son Bignell, quand son moteur va bien, c'est correct. Là. Mais à soir, le fait de gagner une qualif, ça prend rien que ça pour nous allumer le feu. Là. C'est certain. Ouais. Mais en vérité, c'était pas le moteur qui était votre problème technique pour l'inspection, c'était la grosseur des embouts d'échappement. Ah, exact. T'sais, on connaît pas tous les règlements, on se fie un peu aux autres. Moi, quand j'amène mon auto ici, puis pour moi, il passe l'inspection, mais c'est sûr que s'il check juste les ceintures, puis il check pas le reste, il y a toujours des surprises qui peuvent être un peu n'importe où. Là, c'était celle-là. La prochaine fois, ça va peut-être être autre chose. Je pense que je vais prendre le char, puis je vais l'amener là-bas, puis je vais dire, faites le tour, là, tu sais, pour être sûr, tu sais. J'aurais aimé vraiment là, qu'ils me disent « arrive la semaine prochaine avec des mufflers de 3 pouces ». Là. Moi, ça fait 2 ans que je suis régulier ici, puis ça a toujours été les mêmes mufflers. Mais quand tu finis dernier, c'est correct. Quand tu finis premier, mais c'est pas correct. C'est la rançon de la gloire. Exactement. Puis mon char, en plus, c'est comme 70 livres plus pesant sur la balance, mais ça a l'air que les mufflers, ça compte énormément. Bon, j'espère que notre prochaine conversation va se faire avec un trophée dans les mains. Ah, la première fois que je vais avoir un trophée, là, m'a le fait été fort. Merci. Merci beaucoup.